Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler tout simplement d'un thème qui est plutôt d'actualité aujourd'hui puisqu'il s'agit de l'ombre. Alors c'est pour ça que vous avez ce fond d'écran bien sûr de l'ombre terre, hein, des terres d'ombre. Mais au final, c'est un des bonnes caches puisque nous avons eu d'énormes changements dans la définition de l'ombre dans l'univers de Warcraft. Donc fallait revenir un petit peu dessus, sachant qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'idées reçues et beaucoup d'incompréhension et de confusion, je dirais, sur la définition de l'ombre, et c'est normal. Ne soyez pas en mode oh là là, c'est normal. Blizzard a un petit peu, en fonction des thématiques d'actualité, de gameplay, etc., a fait évoluer la définition de l'ombre au fur et à mesure de Warcraft, et c'est quelque chose qui date du tout début, puisqu'il s'agit de Warcraft 1. On va revenir à partir, reprenons depuis le début, Warcraft 1, puisque l'ombre était déjà définie dans Warcraft 1. Alors l'ombre était une partie en fait, alors bien entendu pour attaquer cette vidéo, je vous invite fortement à aller voir la vidéo sur les classes, parce que on va revenir sur notamment la définition du démoniste, le démoniste, le prêtron, etc. Et du coup il faut bien que vous ayez ça en tête. Le démoniste, ce n'est pas juste un utilisateur de la magie démoniaque, puisqu'en anglais à la base c'est le warlock. Et le warlock, il est capable de faire plein d'autres choses. Je rappelle, vous avez le mage et vous avez le warlock. Le warlock, c'est tout ce qui est lié à la magie noire. Et le prêtre ombre, et ben vous verrez que c'est un peu dans le même délire au départ, parce que le prêtre ombre, c'est lié à tout ce qui est magie noire, mais tout ce qui est divinité de la magie noire. Donc pour revenir du coup sur l'ombre justement, au départ le nécrolite, c'était le premier agent, je dirais, de l'ombre en tant que serviteur des démons, puisque c'était des démonistes, hein, justement, il y avait les warlocks et les nécrolites. Alors là, je viens de dire ça et vous allez dire, bah non, bah du coup le warlock il utilise la magie noire. Le nécrolite était un warlock en fait, c'est juste qu'il y avait deux unités spécifiques, le nécrolite et le warlock, mais les deux étaient en fait des mêmes agents puisqu'ils faisaient partie du Conseil des Ombres. Le Conseil des Ombres, c'est ce que Gul'dan va créer, un conseil composé notamment de Cho'Gall, Theron Gorfind, Drak'tul. C'est les principaux démonistes, les principaux agents démoniaques au service de Gul'dan qui servent Kil'jaeden et la Légion Ardente, donc les démons. Donc l'ombre à ce moment-là est juste une utilisation, enfin c'est juste en fait une des représentations des démons. La différence quand même, c'est là où il y a une petite distinction. Nous avons du coup le warlock qui est beaucoup plus, et ce qui est marrant parce que ça sera repris d'en haut, le côté destruction, vraiment les magies démoniaques, tout feu tout flamme, alors qu'à l'inverse le nécrolite est le démoniste qui lui va lancer plutôt des sorts liés à la mort, donc le nécromancien un petit peu, hein, orc tout simplement. Parce que Nécrolite, hein, c'est véritablement des sorts. Mais après, il y avait déjà les sorts, notamment la barrière, l'Unholy Armor, donc l'armure impie, on va dire, ce genre de choses. Donc, dans Warcraft 1, on a vraiment l'idée que l'ombre est un servite. L'ombre en tant que force, en tant qu'élément, est liée au démon, en fait, tout simplement. Ça va être repris dans Warcraft 2. Dans Warcraft 2, on reste dans cette logique avec une évolution néanmoins, puisque Orgrim Doomhammer, je vous laisse aller voir la vidéo sur Warcraft 2 bien entendu, Orgrim Doomhammer a tué les Nécrolites et les Warlocks, donc les unités de Warcraft 1. Le truc, c'est que comme ils ont disparu et que Gul'dan prie pour avoir la vie sauve, Orgrim lui dit ok, tu peux rester en vie, j'ai besoin de toi de toute façon, mais il va falloir que tu me donnes des nouveaux serviteurs qui seront cette fois-ci loyaux à ma seule force, à ma seule volonté et pas à toi. Bon, au final Gul'dan va lui mettre à l'envers, mais il va créer des nouveaux agents, vidéo sur les chevaliers de la mort, ça vous intéresse encore plus en détail, mais il va créer les chevaliers de la mort. Alors c'est pas les chevaliers de la mort que vous jouez dans WoW, hein, petit rappel, c'est autre chose. C'est en fait les nécrolites, les cadavres des nécrolites et des warlocks tués. Donc les esprits pardon, des nécrolites et des warlocks tués qu'ils vont envoyer dans les corps des chevaliers humains morts pendant la première guerre. Ça va créer les chevaliers de la mort, les premiers chevaliers de la mort qui sont des espèces de Nazgûl. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois on voit le lié aux démons, puisque c'est Gul'dan, un serviteur des démons, qui va créer les chevaliers de la mort. Mais le truc, c'est que ça c'est dans Tides of Darkness, donc le Warcraft 2 originel, mais dans Beyond the Dark Portal, quand Gul'dan est tué, eh bien il reste des Chevaliers de la Mort, et c'est Theron Gorfind notamment, le chef des Chevaliers de la Mort à ce moment-là, qui va se lier à Ner'zhul. Et Ner'zhul, c'est assez intéressant, parce que c'est un nouveau personnage qui apparaît à Warcraft 2 Beyond the Dark Portal, qui est un des grands chamans, un des grands esprits, un des grands utilisateurs de la magie chez les orques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait partie du clan Shadowmoon, Ombre Lune en français. Et ce qui est intéressant, et le clan d'ailleurs, c'est Ombre Lune, Shadowmoon, la zone Shadowmoon, Ombre Lune.
Et Ner'zhul et les Chevaliers de la Mort. D'ailleurs, Ner'zhul était représenté comme un Chevalier de la Mort, mais bon, ça, c'est comme Gul'dan à Tides of Darkness. C'est bon, les modèles de l'époque, etc. Mais on a vraiment beaucoup plus un aspect mort, parce que Ner'zhul, par exemple, lui ne sert absolument pas les démons, bien au contraire. Et du coup, eh bien, Ner'zhul a une représentation beaucoup plus liée à la mort. Et du coup, le Chevalier de la Mort va vraiment pas être un Chevalier de la Mort démoniaque, mais un Chevalier de la mort, en fait, tout court. Donc, on commence déjà à voir cette petite évolution, mais c'est dans Beyond the Dark Portal. Et Beyond the Dark Portal va amener, hein, vous entendez cette musique, bien sûr, ça doit vous rappeler quelque chose, c'est Warcraft 3, avec, bien entendu, là, le boule... En fait, c'est encore une fois une suite logique, une continuité, mais qui... Soyons honnêtes, à Warcraft 3 est bouleversé, c'est quand même Warcraft 2 qui a entamé ce virage, mais Warcraft 3 va plonger dedans avec justement une séparation de plus en plus tangible de la mort et des démons. Vous avez du coup Ner'zhul qui est un agent des démons, là il est forcé, les vidéos sur la guerre de l'araignée, Warcraft 3, etc. Ner'zhul est un agent des démons, il est lié à Kil'jaeden, il est lié à la Légion Ardente, c'est devenu un esclave de la Légion Ardente, mais il est le maître de la mort à Warcraft 3. Il a même son culte, hein, le culte des damnés, c'est des mecs qui vénèrent Ner'zhul, qui vénèrent le roi Lich. Le roi Lich est divinisé, on a un dieu de la mort qui est Ner'zhul. Mais le truc, c'est que ce dieu de la mort, bah, il sert au final les démons. Mais on a vraiment voilà, l'aspect de la mort qui sert les démons, mais il y a vraiment une scission, surtout que dans Warcraft 3, si vous faites l'histoire, eh bien, vous rendez compte que Ner'zhul a prévu, depuis le départ, de trahir ses geôliers, à savoir les démons. Donc, eh bien, on a un conflit entre la mort et les démons. Donc ça, c'est assez intéressant. Et à Warcraft 3, l'autre grand thème, bien sûr, c'est l'ombre versus la lumière. L'ombre opposée à la lumière, l'ombre est représentée par la mort, et la lumière représentée par la vie. Donc paladin versus chevalier de la mort, hein, je le rappelle, c'est du gameplay, il y a énormément d'exemples, mais le gameplay principal, c'est par exemple, quel est le paladin de la mort? Bah, c'est le chevalier de la mort. En face, vous avez le paladin, chevalier de la vie, enfin chevalier de la lumière, etc. Et là, le truc assez intéressant, c'est que du coup, bah, les deux gameplays s'opposaient. Par exemple, le chevalier de la mort avait son voile impie. Le voile, donc, ce qui était intéressant, c'est... Enfin, le voile mortel. Le voile mortel, ce qui est intéressant, c'est qu'il soignait les unités mort-vivantes, mais il faisait des dégâts aux unités vivantes. A l'inverse, le paladin avait, j'ai oublié le nom, mais le sort de lumière, le A, qui, lui, fonctionnait sur... qui attaquait les morts-vivants, mais par contre, qui soignait les êtres vivants. Donc ça, c'était assez intéressant, parce qu'on voyait vraiment l'opposition mort-vie, ombre-lumière, qui était très, très symptomatique de Warcraft 3, j'ai envie de dire. En parallèle, on a autre chose qui est assez intéressant, alors juste avant de revenir là-dessus, je vais vous montrer donc un autre parallèle plutôt sympathique, c'est l'aspect tout simplement de l'ombre, qui est une unité pure de Warcraft 3, une unité mort-vivante, qui est une espèce d'élémentaire de la mort, et d'ailleurs, eh bien, donc, qui ne pouvait pas attaquer, hein, mais qui servait simplement d'éclaireur dans Warcraft 3, et en anglais c'est Shade, donc pour l'abréviation de Shadow, et en français, eh bien, on l'a carrément appelé l'ombre. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ombre va influencer énormément des unités dans World of Warcraft, notamment Awotelka, Wrath of the Lich King, l'élémentaire d'ombre, et qui revient énormément à Shadowlands, l'élémentaire de la mort, l'élémentaire d'ombre, qui est très inspiré bien sûr de l'ombre de Warcraft 3. Donc là vous voyez vraiment que vous avez l'allégorie, c'est cette unité, l'allégorie de l'ombre à Warcraft 3, bah c'est l'ombre, hein, et c'est la mort tout simplement. Donc autre point également qui arrive à Warcraft 3 avec une définition, de toute façon Warcraft 3 va vraiment commencer à baser ses forces cosmiques, j'ai envie de dire, on va revenir un petit peu dessus. Puisque, comme je l'ai dit, il commence à y avoir des élémentaires des démons, des élémentaires démoniaques, des élémentaires des différentes forces élémentaires. Vous avez du coup les forces cosmiques qui apparaissent. D'un côté les titans, d'un côté les démons, d'un côté la mort avec Ner'zhul, où on définit énormément, notamment dans la guerre de l'araignée, un petit peu ce que représente Ner'zhul et les forces de la mort. Le roi Lich, tout ça. Donc ce que je viens de dire, la mort, la lumière également, la nature avec les elfes de la nuit qui apparaissent, et bien on a énormément de choses sur la nature, sur le rêve d'émeraude lié à Ysera, il y avait déjà ce rapport avec les terres d'ombre d'ailleurs des Warcraft 3, et on a également des Warcraft 3, les gens l'oublient, mais les dieux très anciens qui sont évoqués des Warcraft 3, le manuel de Reign of Chaos. Alors il s'appelait pas dieux très anciens à l'époque, il s'appelait les grands anciens, hein, pour Lovecraft, mais on a déjà la création des différentes forces cosmiques en fait. Ça c'est assez intéressant, et souvent oublié. Du coup, l'autre point que je voulais évoquer, c'était bien sûr l'arrivée d'une définition de l'ombre en tant que magie noire. Alors dans la magie noire, bien entendu, on avait les forces démoniaques et l'ombre, mais on a bien entendu le prototype du prêtre ombre, donc du Shadow Priest, puisque eh bien en anglais, la classe
chasseur des ombres s'appelle le Shadow Priest. Donc c'est assez intéressant parce que c'est totalement le prototype de la classe qui va être jouable à Vanilla. Donc, et qui n'a absolument rien à voir avec le vide, hein. Pour le moment, vous le voyez, ça n'a rien à voir avec le vide. L'ombre est la définition de la mort. Là, en l'occurrence, on a un serviteur des dieux trolls, donc des dieux trolls sombres, qui, donc, comme je l'ai dit, l'un des concepts du prêtre ombre de Vanilla. Et on a le prêtre ombre qui va apparaître comme véritablement un serviteur de forces obscures, différentes forces obscures, différentes forces, j'allais dire, ténébreuses, avec la mort, bien entendu, puisque vous aviez les morts-vivants. Mais vous avez du coup avec les Loa, avec les trolls, bah vraiment des Loa un peu sombres. Mais je rappelle en plus que le prêtre ombre à Warcraft 3, il soigne. Hein, enfin, le Shadow Priest, donc le chasseur des ombres, bah, il soigne au final. Et c'est la classe de Vol'jin, qui est un personnage plutôt positif sur le papier. Et du coup, eh bien, en tant que serviteur des forces obscures, on va avoir des serviteurs de la mort, des serviteurs démoniaques, des serviteurs des dieux très anciens, serviteurs des Loa et serviteurs d'autres divinités obscures. Ça va être la base du prêtre ombre de World of Warcraft Vanilla. Nous avons dans... Je ne vais pas revenir sur ma vidéo sur les classes, mais le prêtre à la base est un serviteur des différentes divinités, des différentes grandes sources de pouvoir. Le prêtre de lumière, bah, il peut obéir à différents... Le prêtre sacré je sais pas, peut être un serviteur des lunes, peut être un serviteur de la lumière, de manière de la conception humaine des choses, peut être un serviteur du soleil pour les tauren, peut être un serviteur de plein de choses en fait, puisque c'est en fonction des divinités. Donc chez les trolls, bah, c'est n'importe quelle Loa, Rezan ou autre. Et pour les prêtrons, bah, c'est pareil, mais ce serait des divinités un peu plus obscures, qui sont pas forcément des méchantes, des divinités méchantes. Hein, faut pas penser tout de suite ombre est forcément méchant, même si bien sûr c'est un côté plus négatif, mais ça peut être par exemple le prêtre ombre. Un prêtre ombre tauren, bah, ce serait plus un prêtre ombre qui sert Elune ou autre en fait. Ça varie énormément à ce niveau-là. Du coup, on va, donc ça j'en ai parlé, bien sûr, les grandes forces cosmiques qui apparaissent petit à petit avec Warcraft 3. Et à Wovania, eh bien, donc j'ai déjà parlé du prêtre ombre à Wovania, mais par exemple, pour ce qui est du prêtre ombre chez les réprouvés, donc chez les morts-vivants, ça avait été quelque chose qui avait pas mal choqué les joueurs, parce qu'à Vanilla, bah, le prêtre, on voit vraiment le serviteur de la lumière, etc. Et l'aspect ombre, bah. On se dit juste que c'est des serviteurs un peu plus obscurs, mais du coup, eh bien, à Vanilla, les réprouvés, donc les unités mort-vivantes, enfin les joueurs mort-vivants de World of Warcraft Vanilla, eh bien, pouvaient jouer prêtre. Et le truc, c'est que d'un point de vue de gameplay, c'était bizarre, parce que la lumière, c'est censé faire des dégâts aux morts-vivants, donc comment ils peuvent manier la lumière? Alors, il y a quelques exceptions, bien entendu, comme Alonsus Fahol, je laisse aller voir la vidéo sur Kalia Menethil, Taelia, Fort Dragon et Bolvar Fort Dragon, mais si vous voulez plus d'infos sur Alonsus Fahol, mais on avait la création d'un personnage qui est également dans le RPG, c'est Nathalie Céline. Nathalie Céline, ce sont des morts-vivants en fait, hein, beaucoup de réprouvés d'ailleurs, et en fait c'est le culte de l'ombre oubliée. Le culte de l'ombre oubliée, c'est tout simplement en fait des prêtres, des serviteurs de la mort, mais qui sont liés aux réprouvés. Donc c'est pas des serviteurs liés au, par exemple, le culte des damnés, les acolytes, etc., qui sont liés au roi Lich. Là c'est vraiment un culte lié à la mort, mais la mort non incarné par le roi Lich, une mort plus générale en fait. Donc c'est ce qui justifiait tout simplement les prêtres chez les morts-vivants. Donc en gros, si vous jouiez un prêtre mort-vivant à Vanilla, bah, sur le papier il fallait le jouer prêtre ombre. C'était ça l'idée. Donc vraiment un culte de la mort. Nous avons ensuite, eh bien, à Vanilla aussi, alors ça n'a rien à voir avec l'ombre pour le moment, mais il faut revenir dessus, puisque nous avons le Marcheur du Vide, qui n'est pas une création de WoW, hein, certains l'oublient, mais c'est Frozen Throne, hein, notamment quand vous alliez dans notre Draenor, donc l'Outre-Terre, et eh bien vous aviez tout plein de créatures, tout un bestiaire de créatures liées au vide. Vous avez les Dragons du Vide, les Marcheurs du Vide, plein d'unités liées au vide. Et généralement, en fait, ces unités étaient plutôt lié aux démons en fait, puisque comme le monde avait été détruit, et eh bien il y avait des tempêtes partout, etc., et du coup vous aviez également des serviteurs d'une force qu'on connaissait pas et qui était liée aux démons. C'était un des aspects de la magie démoniaque, c'était le vide. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le Marcheur du Vide, si vous allez voir la définition du Marcheur du Vide, à la base c'est un démon, le Marcheur du Vide. Et Sam Vostok a fait d'ailleurs une excellente vidéo sur les Marcheurs du Vide, mais à ce moment là et eh bien les Marcheurs du Vide, c'était des démons. Et comme on parle de Burning Crusade, j'ai bien dit jusqu'à Burning Crusade, et bien Burning Crusade va redistribuer un petit peu les cartes. Le vide, étant donné qu'on avait déjà ce lien-là à Frozen Throne, et bien Blizzard, bien sûr, a réutilisé cet aspect-là pour remontrer des marcheurs du vide et des créatures du vide. Mais donc, ça va être surtout centralisé sur la zone de Netherstorm, donc de Rats du Néant. Et Rats du Néant, ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez avoir un aspect où vous avez
au niveau définition, une grosse bouillie en mode, alors, on différencie un petit peu le vide, on commence à définir le vide en fait, c'est quelque chose de vraiment important, on commence à définir le vide en tant qu'une entité différente, avec des seigneurs du vide, etc. Mais à ce moment-là, les seigneurs du vide sont des espèces de marcheurs du vide gigantesques, donc c'est pas encore vraiment la force du vide cosmique comme vous l'entendez très souvent avec Chronicles. On est encore une fois sur des créatures liées aux démons, puisque je rappelle que l'Outre-Terre est dans le néant distordu, mais avec une entrée de force du vide liée aux démons, etc. Donc c'est un joyeux bordel, mais on commence à définir ce que c'est le vide. Et là vous dites, rien à voir avec l'ombre. Bien sûr, vous verrez que ça va avoir un rapport par la suite. Donc on commence à définir le vide. Maintenant arrive Wrath of the Lich King. Wrath of the Lich King qui reprend bien entendu les grandes thématiques de Warcraft 3. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais pour Burning Crusade, d'ailleurs, vous aviez encore des Eredar, et notamment les jumelles Eredar qui sont très connues. Je vais remettre le visuel de BC, mais les jumelles Eredar qui sont très connues, avec une qui était beaucoup plus destruction, on va dire, avec des sorts de feu, etc. Et l'autre jumelle Eredar était beaucoup plus liée. C'était la jumelle de l'ombre, et elle lançait des sorts beaucoup plus liés à l'ombre. Donc il y avait encore un retour, on va dire, sur la définition un petit peu de l'ombre démoniaque. C'était vraiment l'ombre ardente, l'ombre démoniaque. Et d'ailleurs, je rappelle que la Légion Ardente à Warcraft 3 était encore appelée l'ombre ardente, malgré que l'ombre soit liée à la mort. Il y avait encore l'idée de ombre ardente pour le retour à Warcraft 1 et 2, où la Légion Ardente, on pouvait l'appeler l'ombre, en tant que force de magie noire. Donc, Wrath of the Lich King reprend les thématiques de Warcraft 3, et là, l'ombre va vraiment toujours être liée à la mort. La mort vraiment dans l'opposition chevalier de la mort paladin, l'opposition mort vie, et le sacré face à l'impie. Et du coup, l'arrivée du chevalier de la mort en tant que gameplay, en tant que thématique, chevalier de la mort qui a énormément de sorts d'ombre. D'ailleurs, hein, si vous jouez chevalier de la mort, regardez un petit peu les types de dégâts que vous infligez. Beaucoup de dégâts sont glace, mais également des sorts d'ombre, hein. C'est énormément de sorts d'ombre. Donc c'est pour vous montrer encore une fois la définition à ce moment-là, c'est toujours ombre égale la mort. Mais avec la fin de Wrath of the Lich King, et si vous voulez plus d'infos bien sûr sur Wrath of the Lich King, il y a la vidéo Wrath of the Lich King, mais à la fin de Wrath of the Lich King, eh bien on va assister à un changement de définition. Changement de gameplay bien entendu avec Cataclysme. Cataclysme, on a une évolution de l'ombre qui va se calquer, donc comme je l'ai dit, sur le gameplay du prêtre ombre, et la menace de la mort étant vaincue à Wrath of the Lich King, hein, le roi Lich est disparu, etc., etc., eh bien on va réfléchir aussi en termes de gameplay à une identité de classe propre et à différencier le prêtre ombre, parce qu'une des critiques du prêtre ombre, c'est souvent de se dire que c'est, en fait, c'est une des spés du démoniste en moins bien. C'est l'aspect affliction du démoniste en moins bien. Donc on commence à vouloir vraiment retravailler un peu les identités de classe. Le chevalier de la mort a des sorts d'ombre, le démoniste a des sorts d'ombre, et du coup on se dit, bah le prêtre ombre, c'est à mi-chemin entre un démoniste et un chevalier de la mort, on sait pas trop, etc. Alors que le prêtre ombre, bah, il incarne toutes les forces ténébreuses. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que à Cataclysme, il y a un nouveau sort, c'est le Shadowfiends, le Shadowfiends, un truc comme ça, donc l'ombre fiel en français. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans la définition première, c'était un démon à la base. Donc vous voyez vraiment que le prêtre ombre est dans l'idée du serviteur des forces obscures en fait. Mais ce qui va changer avec Cataclysme, c'est que tout ce qui va pas est lié au dieu très ancien. Donc l'évolution, je peux pas vous dire voilà, c'est vraiment Cataclysme qui détruit l'aspect du prêtre ombre, etc. Non, c'est quelque chose qui se fait petit à petit, avec l'identité de classe, avec la volonté d'essayer de penser à un gameplay, et avec aussi les menaces. La mort, le roi Lich, la mort était surtout représentée par le roi Lich, donc la fin du roi Lich, l'ombre égale mort, ça devient moins intéressant. Donc, eh bien, la nouvelle grande menace qui devient véritablement la menace en dehors des démons, et les démons qui vont du coup être liés aux démonistes, les warlocks, vous avez du coup l'aspect dieux très anciens, les dieux très anciens qui prennent leur essor, hein, de Vanilla à, on commence petit à petit à les connaître davantage, ça fait un peu fantasmer Il'Ginot, la boîte à secrets de Yogg-Saron, tout ça, la boîte à murmures ou je sais plus quoi, ça commence à faire plein de théories, etc. Et du coup les gens commencent à s'intéresser de plus en plus aux dieux très anciens, et du coup avec Cataclysme, c'est vraiment l'extension dieux très anciens par excellence, avec tous les serviteurs des dieux très anciens, que ce soit les élémentaires, Deathwing et autres. Et du coup, on va différencier en faisant en sorte que le prêtre ombre, qui avant, si vous faisiez un prêtre ombre lié au DTA, vous étiez un prêtre du vide lié au dieu très ancien en fait. Enfin, un prêtre ombre lié au dieu très ancien, mais prêtre ombre pouvait être lié à d'autres trucs. Là maintenant, le prêtre ombre égale prêtre du vide. Puisque maintenant, le vide égale les dieux très anciens,
Donc, alors ça se fait pas vraiment à Cataclysme, hein, je me dis ça, mais ça va commencer à Cataclysme. Cataclysme met vraiment la menace des dieux très anciens en premier plan, et du coup, petit à petit, on va dire qu'en fait, le prêtre ombre égale prêtre du vide, en fait. Si vous avez mes vidéos sur les spé, la quatrième spé, bah, je vous en parle en disant bah, ce serait intéressant de remettre le prêtre ombre original, en fait, qui est beaucoup plus lié aux thématiques de la mort et pas forcément thématiques d'éther. Donc, par identité de classe, on va commencer petit à petit à mettre en fait prêtre ombre égale prêtre du vide. Donc, j'en ai parlé, l'ombre fiel, donc le Shadow Fiend à Cataclysme. Amop, on arrive le Torv Esprit. Alors, je crois que c'est juste un talent à prendre dans l'arbre, mais le Torv Esprit, bah, c'est cette espèce de créature de dieu très ancien qui se pose sur la tête. Et qui siphonne, etc., donc qui fait des dégâts et autres. Donc là, vraiment, on voit vraiment l'aspect dieu très ancien. Et par exemple, à Warlord of Draenor, Ner'zhul, hein, Ner'zhul qui était le roi Lich, le premier roi Lich lié à la mort, etc., qui était une espèce de dieu de la mort, eh bien, à Warlord of Draenor, alors bien sûr, c'est réalité alternative, blablabla, bah, le Shadow Moon, on voit que l'évolution de l'ombre, petit à petit, du prêtre ombre, eh bien, fait changer la définition de l'ombre, puisque l'ombre égale maintenant le vide, eh bien, Shadow Moon, forcément, Ner'zhul est un serviteur. Du vide en gros, il devient un serviteur du vide comme son clan, les Shadow Moon, etc. Donc, l'ombre lune devient serviteur du vide. Donc, ça, c'est vraiment, on voit en fait la définition qui évolue avec le gameplay et qui va évoluer en fonction aussi des menaces. Comme quoi, le gameplay est quand même assez intrinsèquement lié, bien sûr, au lore et à l'histoire. Légion va être le grand pinacle, le zénith, je dirais, de la définition ombre égale vide, puisque vous allez avoir le rework du prêtre ombre, où vraiment là on est vraiment dans le prêtre du vide, des tentacules partout, des trucs dieux très anciens partout. On perd vraiment l'aspect des différentes forces occultes, le serviteur qui pouvait potentiellement être des démons, qui pouvait être de la mort, etc. Là on est vraiment dans du vide à 100%. L'arme légendaire, Xel'Atat. Donc un serviteur qui a connu l'Empire Noir, donc enfin, certains, moi-même d'ailleurs, j'espère que Xel'Atat serait une entité forte du vide, potentiellement par exemple le cinquième dieu très ancien ou autre. Mais voilà, Xel'Atat c'est vraiment un serviteur, c'est vraiment une entité puissante du vide en tant que dieu très ancien, hein, je dirais, en tant que force dieu très ancien, pas vraiment le vide ombre. Non, on est vraiment dans le vide, vide Void Lords, Shadow Lord, enfin Void Lord, etc. Et du coup, donc Xel'Atat montre bien vraiment l'évolution justement du prêtre ombre. Et d'ailleurs, puisque Chronicles 1 est sorti pendant Légion, eh bien vous voyez bien en fait toute cette idée qui trotte derrière les scénaristes, avec l'évolution du gameplay qui va se calquer sur justement la définition de l'ombre, eh bien vous le voyez, hein, donc c'est vous savez, la cosmogonie ici avec les différentes, moi ce que j'aime bien dire, le tableau périodique des forces cosmiques, avec du coup les grandes forces cosmiques qui sont rangées dans des tiroirs. Vous avez l'arcane avec l'ordre, vous avez le désordre avec le chaos, les démons, vous avez la vie, la nature, etc., la lumière, les narus, blablabla, et dans la partie basse, vous avez la mort et vous avez le vide, le void et death. Sachant que le vide, et que ce soit dans la traduction, alors c'est pas un problème de localisation, hein, même en anglais c'est pareil, vous voyez, shadow, hein, shadow c'est l'ombre, donc shadow void qui est assimilé. Mais en fait le problème ici c'est qu'il fallait l'ombre en fait, pourquoi? Du coup on pourrait dire, mais pourquoi ils ont été cons comme ça? Bah, toujours dire vide, etc. Et surtout, bah, avant même, c'est toujours été des sorts d'ombre. Donc l'idée peut-être ce serait de rajouter des dégâts du vide. Et comme ça, on pourrait différencier vide-ombre. Parce qu'à l'heure actuelle, ombre égale, enfin, ombre dans le gameplay égale vide aussi. Donc, ils ont voulu le traduire dans les forces cosmiques. Ombre, pour éviter de dire vide à tout le temps, toutes les sauces, eh bien, l'ombre est devenue justement un synonyme en fait du vide. Mais le truc, c'est qu'on aurait pu dire, bah, souvent l'un des synonymes du vide, c'est le néant. Sauf que le néant, bah, c'est le néant distordu, du coup c'est lié au démon. Donc ils avaient un problème de terminologie en fait, hein, tout simplement. Et du coup, eh bien, ombre égale vide, vous le voyez avec les forces cosmiques, bien sûr, de Chronicles. Void Lords, All Gods, liés au Shadow, liés au vide. Donc c'est assez intéressant. Mais malgré tout, vous avez quand même un héritage, vous avez cet irréductible Gaulois qui tient bon en armorique avec les Terres d'Ombre. Eh oui, les Terres d'Ombre, Shadowlands! Shadowlands, les Terres d'Ombre, qui même dans Chronicles 1 et les Forces Cosmiques, vous montrent justement, parce que les Terres d'Ombre c'est une création Warcraft 2, Warcraft 3, les Terres d'Ombre c'est l'endroit de la mort! Et du coup, eh bien, c'est lié à la mort, aux aspects nécromantiques, aux morts-vivants, et pas du tout à l'aspect vide. Donc c'est assez intéressant parce qu'on vous dit le grand lumière versus ombre, versus shadow, mais en fait, bah, les Terres d'Ombre n'ont rien à voir avec le vide.
Du coup, très souvent, les gens disent, bah, les terres d'ombre, ça doit être lié aux dieux très anciens, etc. Alors peut-être qu'on aura bien sûr des immersions des dieux très anciens et du vide dans les terres d'ombre, mais les terres d'ombre, c'est lié à la mort. Ça n'a rien à voir avec les dieux très anciens, parce que on est sur une définition plus ancienne de l'ombre. Donc c'est là où on voit vraiment le côté un peu malsain et cette espèce de confusion qui règne entre vide et ombre. Ça s'est fait petit à petit, hein. Ça s'est. Là, bien sûr, je vous fais un historique très bref, mais ça s'est fait petit à petit au fil des ans, en fait. Maintenant arrive bien sûr l'extension. Alors avant, l'extension BFA va être vraiment le marqueur d'un retour assez doux. On n'est pas encore en force, on n'est pas de manière brute, mais BFA, de manière doux, va de nouveau revenir aux anciennes définitions de l'ombre. On commence à split, on commence à séparer ombre et vide. Le vide, bah, bien sûr, avec Nuzhat, avec les dieux très anciens, etc., Nyalotha, tout ça. Mais de l'autre côté, vous avez l'ombre, avec notamment Druzhvar, hein, toutes les quêtes liées au Drust, qui, c'est vrai que sur BFA, on se disait, mais qu'est-ce que ça fout là, ce truc-là? Bah, c'était pour préparer Shadowlands. Mais vous avez aussi toutes les quêtes liées à Vol'jin. Vol'jin, ou son esprit dans les terres d'ombre, on ne sait pas trop, les différentes entités de la mort, entre le roi Lich, Bolvar, entre Elia, etc. Personne ne sait vraiment, Eir, etc. Personne ne sait vraiment où est l'âme de Vol'jin. Et bien, toutes ces quêtes-là nous montrent l'aspect ombre, justement mort, et bien sûr Sylvanas. Et d'ailleurs, à tel point que, comme elle utilise des sorts violets, elle utilise des sorts d'ombre, les gens se sont dit, mais attendez, mais en fait elle sert les dieux très anciens, elle sert probablement Nuzhat, elle utilise de la magie du vide. La confusion a été faite parce que oui, l'ombre a évolué, et on revient sur une définition de l'ombre qui était la première définition de l'ombre. Donc ça, c'est assez intéressant. BFA, il va doucement. Shadowlands, par contre, elle vous met la définition de l'ombre en pleine tête, en mode non! L'ombre, c'est la mort! Rien à voir avec le vide! Mais le problème, c'est quelqu'un qui a commencé WoW assez tard, et bah lui, l'ombre a toujours été égal au vide. Donc il n'a pas cette ancienne définition de la mort, en fait. Donc, les terres d'ombre, bam! On vous la met en pleine gueule, c'est la mort! Rien à voir avec le vide. Donc ça, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Et d'ailleurs, pour vous montrer à quel point on revient sur la définition première de l'ombre, donc certains diraient oui, c'est un retcon, mais est-ce que c'est un retcon de retcon le retcon? En fait, la définition évolue en fur et à mesure avec les thématiques. Là, on revient sur une thématique liée à la mort, donc on revient sur l'ombre, la définition première de l'ombre, qui est liée à la mort, en fait. Et ce qui est assez intéressant, parce que vous allez me dire, oui, mais la première définition, tu l'as dit, Malga, c'est les démons. Oui, mais c'était déjà la mort, en fait. C'était déjà la mort, sauf que la mort était liée aux démons. Donc c'est assez intéressant, parce que là, bah, on revient à la mort, et il y a été dataminé, je vous mettrai dans la description, sinon vous me le dites dans les commentaires si j'ai oublié, sur WoWhead, des changements sur la BD. Tout simplement, donc la BD de Légion, donc la BD qui était la vision d'Anduin âgé, où Anduin on voyait le combat entre le vide et la lumière à la fin, etc. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, vous aviez Velen qui disait The light, donc la lumière, will triumph over the shadow this day. Donc aujourd'hui, la lumière va enfin triompher du vide. Pardon, de l'ombre, pardon, excusez-moi, justement, de l'ombre. Et du coup, Anduin qui disait Let it begin, commençons. Ce qui est très intéressant, c'est que ce qui a été dataminé, c'est qu'une nouvelle version numérique va probablement apparaître, où cet aspect-là, eh bien, dégage, puisque l'ombre n'est plus égale au vide. Donc, Velen 2 reste silencieux et Anduin dit Let it begin. On dégage ombre pour le vide, on le dégage. Donc, ça, c'est très intéressant et ça vous montre. Alors, bien sûr, c'est un peu pervers de faire ça, mais d'un autre côté, c'est pour que dans la tête des gens, ce soit plus simple de vraiment différencier ombre et vide. L'ombre a été utilisée en synonyme du vide, mais l'ombre n'est pas égale au vide. Donc c'est forcément, on perd des joueurs à ce niveau-là, c'est tout à fait compréhensible. J'en profite pour finir cette vidéo sur un point qui est important. J'ai commencé à le voir avec la vidéo d'Uther notamment, je l'ai redit dans les commentaires de ma vidéo sur Uther, mais il y a une confusion que je vois de plus en plus sur les forums, sur les Facebook, etc. Le Bastion. Donc Bastion, une des zones de l'Ombre-Terre, avec Sylvarden, Revendreth, Maldraxxus, Oribos et L'Antre, tout ça est lié aux Terres d'Ombre, l'Ombre-Terre. L'Ombre-Terre, s'il y a bien le changement de définition, enfin, changement de titre entre Terre d'Ombre et Ombre-Terre, retenez bien le mot Ombre. C'est l'Ombre, c'est les forces de la mort. Bastion n'a rien à voir avec la lumière. Oui, c'est très beau, oui, c'est les Champs-Élysées, oui, ça a l'air tout gentil, tout mignon, c'est notre définition du paradis en termes judéo-chrétiens, mais ce n'est pas lié à la lumière. Ça n'a rien à voir avec la lumière. D'ailleurs, à l'heure actuelle, bah, c'est des terres d'ombre, mais à l'heure actuelle, même les troupes sur place lancent des sorts
Alors, c'est pas vraiment. Il y en a qui lancent des sorts d'ombre, et d'ailleurs, sur toutes les zones, ils lancent des sorts d'ombre. Sur Bastion, c'est surtout des sorts d'arcane. Alors, on verra s'ils liront ça aux titans, etc. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec la lumière. Donc, ceux qui me disent, oui, mais Uther, en fait, c'est la lumière qui l'a fait venir à Bastion, etc. Bastion n'a rien à voir avec la lumière. Donc, Uther, oui, vénérer la lumière, il se retrouve à Bastion, bah, il est dans une force opposée à la lumière. Puisque, bon, c'est un léger spoil, mais franchement, ça spoil rien du tout. Quand vous ferez les quêtes des terres d'ombre, vous verrez que la lumière est un antagoniste des terres d'ombre. Ainsi que le vide d'ailleurs. Historiquement, dans les terres d'ombre, les terres d'ombre ont été attaquées par les forces de lumière et par les forces du vide. Donc l'ombre n'est pas égale au vide, mais l'ombre n'est pas égale à la lumière non plus. Bastion n'a rien à voir avec la lumière. Voilà, je préférais le redéfinir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que la définition de l'ombre est peut-être qu'à terme. Je pense pas honnêtement, je pense que maintenant les forces cosmiques vont vraiment séparer ombre et vide. Mais potentiellement, quand par exemple Shadowlands sera terminé, peut-être que dans deux extensions on reviendra sur une homonymie entre l'ombre et le vide. C'est possible, j'espère pas parce que ça perdra encore plus le joueur. Faut comprendre pourquoi il y a eu cette boucle. À un moment donné, la mort n'était plus une thématique de. Enfin, plus une thématique majeure, plus un antagoniste majeur du monde de Warcraft. Donc forcément, l'ombre a été liée au vide. Comprenez ça comme un synonyme, mais j'espère en tout cas que ça a été plus clair pour vous. L'ombre, c'est la mort, le vide, c'est les dieux très anciens, tout ça, tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions, n'hésitez pas à partager à vos amis ou à ceux qui justement feraient peut-être la confusion de la définition, c'est tout à fait normal. Plein de bisous, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. A bientôt pour de prochaines vidéos, à plus dans le Nexus.